was contacted by the editor Dominique Bolt back in 2020. He asked me if I was interested on designing these covers. I knew it was going to be a lot of work, and it definitely was a huge effort for everyone involved. Pour nous, c'est quand même un projet important aussi parce qu'en fait, c'est un projet qu'on n'a jamais vraiment réalisé ici avec toutes les techniques différentes. Pour Blackwater, en fait, c'est un peu le côté défi en fait de dorer les quatre couvertures en même temps avec les deux doreurs différents plus le gaufrage. Donc au niveau du travail, c'est un gros boulot de préparation et de repérage. The whole project took me around 1 year to complete. It involved lots of preparation. First, I read the whole series to get a good sense of the atmosphere and the aesthetics of Blackwater. Usually, you just get the brief or some indications from the editor and you kind of work blindly without really understanding totally the story behind it. But here it was different. I really enjoyed the book and took lots of notes and references that I used on the covers. C'est un travail où il y a beaucoup, énormément de finesse aussi au niveau de la dorure noire qui est assez compliqué à déposer. On a un petit peu quand même un défi technique ensuite avec le gaufrage. L'étape du gaufrage en fait permet de hiérarchiser à l'intérieur de la couverture les éléments qui ressortent. Mettre en relief un élément lui permet d'accrocher la lumière ou de réfracter la lumière de façon complètement différente. Et quand il s'agit de dorure, ça démultiplie l'impact de la dorure sur l'esthétique générale. Stylistically, the books have many sinister and dark passages, and it's something very evocative and attractive to me. Skulls, bones, snakes, coffins, it's something I've always enjoyed drawing. Aesthetically, the main reference for this job were the playing cards I've designed in the past. Dominique was really interested in doing something similar for these books. Each of these books are very unique. There is no repetitive elements. All the frames, all the titles, so everything has been designed and considered, thinking the story behind it. C'est cette forme qu'il a créée, qui est faite de petits bouts de papier collés, rajoutés. C'est ce qui va permettre à la dorure de marquer sur certaines zones et pas sur d'autres. Là, on est à cheval entre l'industrie et l'artisanat, ouais, c'est un mélange des deux. Le livre, en fait, c'est un produit totalement industriel, mais là, c'est autre chose. On essaye de valoriser le travail de l'illustrateur, de le rendre le plus parfait possible. Et en même temps, ce travail d'amélioration, de rendu, c'est aussi en fait un travail artistique, de faire des dosages, des calculs. Mais on ne sait jamais ce qu'on va avoir. On anticipe, mais il y a toujours des aléas physiques et des aléas mécaniques. La dorure ne tenait pas bien donc, et ne, vous ne prenez pas, donc on est obligé de changer de qualité de dorure. Donc évidemment, vu le volume de couverture qu'il y a, il n'y avait pas de stock. Après, ça a été une histoire de fabrication de papier. Le papier arrive d'Angleterre, donc ça a été très compliqué pour le recevoir. There has been tons of changes and rounds for each week. I tried many compositions for each volume. And I'm pretty confident that the final version is the best one. Especially when I look now at the first sketches, I think we took the right decisions. C'est gratifiant, mais c'est assez stressant et ouais, c'est assez compliqué. Bah, même si je vois les petits défauts, je suis quand même content du résultat. Je suis contente du résultat et je pense que Dominique sera content et je pense que ça va vraiment cartonner. Voilà. Il y a tellement de valeur ajoutée humaine dans ces couvertures-là, dans ce projet-là, que c'est même pas quantifiable en fait.